Kodak, ma petite Jackie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, c'est Update Lecture. Alors ma petite Jackie, pour cette update lecture, on va revenir sur l'ensemble des vacances d'été, depuis en fait la fin juin jusqu'à présent. Alors tu vas voir, il n'y a pas 1000 livres, mais du moins j'ai réussi quand même à les départager en deux groupes. Un groupe des classiques et un groupe des romans contemporains. Bon, on commence tout de suite avec les classiques. Alors pour commencer les classiques, on va commencer avec trois Molières, en réalité trois pièces de Molière bien évidemment, que j'ai lues durant le mois de juillet. Alors, j'avais déjà lu quand j'étais en secondaire il y a très longtemps des pièces de Molière, enfin surtout une en réalité, c'était Don Juan. Et là, durant cet été, j'ai découvert réellement L'Avare, L'École des Femmes et Le Misanthrope. Bah, étant des classiques, je vais m'épargner le résumé, il se trouve facilement. Mais du moins, je vais vous donner mon avis, mes appréciations sur les pièces. Alors, ce que je trouvais déjà assez flagrant en lisant de suite trois Molières, c'est que, en fait, L'Avare et L'École des Femmes, il y a une sorte de pattern derrière. Du moins pour le début que Molière a un peu retravaillé. Et ce pattern, en réalité, c'est celui d'un jeune homme qui s'éprend d'une jeune femme et cette jeune femme l'aime aussi en retour, mais on apprend toutefois dans la pièce que cette jeune femme est aussi aimée par un homme qui est lié au jeune homme. Et de là s'ensuit des quiproquos, s'ensuit des problèmes, s'ensuit aussi une sorte de quête de la part du jeune homme pour s'assurer que la belle lui revienne et non pas à l'autre. Et je trouvais que c'était assez flagrant d'une certaine façon. On arrivait à redénicher en fait les grands pans de cette thématique et de ce schéma, mais c'était pas lassant. C'est vrai qu'en lisant deux pièces d'affilée en très peu de temps, je me suis dit, bon, l'originalité n'y est pas, mais du moins, ça va, parce qu'en fait, c'est toujours remotivé, toujours une petite différence à chaque fois, en fait. Et donc là, je vous ai parlé surtout de L'École des Femmes et de L'Avare, mais j'ai adoré Le Misanthrope. J'ai découvert Le Misanthrope, en réalité, grâce à un film avec Fabrice Lucchini. Faudrait que je retrouve le nom, à mon avis, il apparaîtra au montage. Et j'ai adoré le lire, parce que dans le film, justement, avec Fabrice Lucchini, il joue l'introduction, on va dire, de la pièce, le début de la pièce. Et ici, j'ai pu vraiment découvrir in extenso tout ce que c'est, et j'ai vraiment adoré. La beauté dans le dialogue, dans l'opposition entre Philinte et Alceste, c'était vraiment super. J'ai adoré le personnage d'Alceste parce que c'est le misanthrope par excellence, et qui a de grandes valeurs sur ce que devrait être un homme en société, et j'ai adoré. En fait, il s'oppose à toute cette hypocrisie en société, mais en fait, c'est une hypocrisie qui est utile et qui est nécessaire en société si on veut pouvoir vivre en société. Et lui, non. Pour lui, il faudrait s'exempter de toute hypocrisie et de dire la vérité tout le temps. Alors, on peut voir qu'il y a, je trouve, une forme d'exception par moment même de lui. Donc c'est ça qui est marrant à l'intérieur de la pièce. C'est aussi le rythme qui est très intéressant. Mais je pourrais le dire pour toutes les pièces de Molière en réalité. J'ai adoré le rythme de chacune d'elles. Chacune a sa propre vitesse, je dirais, et c'est vraiment appréciable. Mais chacune sa propre vitesse et il y a un bon jeu sur le côté très haletant. Aussi un autre élément que j'aimerais bien souligner avec Le Misanthrope, c'est la fin, qui est une fin assez morale, je trouve. Alors dites-moi si vous pensez la même chose que moi, si vous avez pu comprendre la même chose que moi. C'est vraiment cette fin qui est très intéressante dans le sens où c'est l'échec d'Alceste, donc le misanthrope, face à Philinte, qui est celui qui accepte la société, la vie en société. On sait très bien le but d'Alceste est, depuis le début, de se retirer de la société, et pour ça, il veut y entraîner son amoureuse. Mais à la fin, non. Elle refuse d'aller avec lui, et si je ne dis pas de bêtises, elle préfère aller avec Philinte. Ou du moins, il y a une sorte de fait que le misanthrope ne l'emporte pas. Et c'est pas la vision misanthropiste, cette vision antisociétale qui l'emporte. On est beaucoup plus sur le fait que non, Philinte semblerait plus l'emporter. Finalement, il aurait peut-être plus de félicité. Parce que quand on lit toute la pièce, on voit que le misanthrope, donc Alceste, est assez décrié par tout le monde. Et je trouvais ça assez bien, ce fait que lui-même, justement, enfin, Alceste critique toute cette hypocrisie et qu'il la subisse d'une certaine façon. Et aussi qu'il ne l'emporte pas tellement. Et pour revenir un instant sur L'Avare, j'ai adoré aussi lire L'Avare personnellement et ne pas le regarder. C'est que je pense, comme beaucoup de monde, on a en tête le film avec Louis de Funès. Et d'ailleurs, le monologue d'Harpagon, je l'ai découvert grâce à Louis de Funès. Et là, découvrir L'Avare, en fait, c'est pour moi totalement mon cerveau qui imaginait la scène différemment. Alors que j'avais vu plusieurs fois le film, j'avais une autre idée de la scène, de comment ça se passait, de même de la tête des personnages. Enfin, j'ai du mal à imaginer, quand j'imagine Harpagon, Louis de Funès. C'est d'ailleurs ça qui était assez marrant, parce que
d'habitude, quand j'ai vu un film, ou comme je pense beaucoup, quand on a vu un film qui est basé sur un livre, on a facilement la capacité de reproduire l'image de l'acteur qui jouait le rôle du personnage dans la figure du personnage quand on lit. Et là, pas du tout. J'arrivais pas à imaginer Louis de Funès, mais pourtant, j'ai toujours eu ce même plaisir, et j'ai même eu un plaisir différent parce que lire, c'était encore autre chose. Mon théâtre mental était un petit peu plus, je vais dire, vivant, mais il avait quelque chose d'autre qui le rendrait plus attrayant. Bon bah maintenant que j'ai lu L'école des femmes, Le Misanthrope et L'avare, bah j'ai hâte d'en découvrir d'autres. Et d'ailleurs j'ai prévu de relire dans le courant de l'année Don Juan. D'ailleurs j'ai eu un cours, et j'ai eu plusieurs cours sur Don Juan en fin d'année passée à l'université, donc j'ai vraiment hâte en fait de le découvrir avec un nouveau regard, ce regard peut-être un peu plus intellectuel, mais qui me tend tout autant, et surtout de enfin lire Don Juan, parce que rien qu'à lire le résumé, c'était déjà hyper bien, on a tous en tête l'idée du Don Juan, et lire la pièce, ben, ça me donne super hâte. Alors, après Molière, on avance un petit peu dans le temps et on en arrive avec Cyrano de Bergerac de Edmond Rostand. C'est toujours une pièce. Alors oui, ça, gros élément à dire, c'est que durant le début de mon été, j'ai surtout lu des pièces de théâtre parce que j'en ai très peu lu au final. Quand je regarde ma bibliothèque, je voyais très peu de pièces de théâtre et pourtant j'en avais pas mal dans ma pile à lire. Donc je me suis dit, vas-y, profite de ce début d'été et lis un peu des pièces. Et là, j'ai enfin lu une pièce qui me donnait envie depuis vraiment longtemps, bah, c'était Cyrano de Bergerac. Alors d'un point de vue intellectuel, elle m'a vraiment beaucoup plus. Pourquoi? Parce que bah, à l'université, j'ai encore eu des cours forcément sur la littérature et le personnage de Cyrano de Bergerac me rappelait un archétype de personnage que l'on retrouve au 16e, 17e siècle, qui est en fait le chevalier gascon. En fait, le chevalier gascon, c'est un chevalier qui est très romantique, très sanguin quand même, qui dégaine facilement l'épée. Et donc là, bah, c'est vraiment totalement Cyrano de Bergerac. En plus, si je dis pas de bêtises, bah, il est bien gascon, si je m'en souviens bien. Et donc, c'est vraiment toute cette satisfaction intellectuelle qui m'a premièrement accroché. Parce que vraiment, je me souviens quand. Je pense que c'est vers l'acte 2, Cyrano était vraiment beaucoup plus développé et qui parlait, etc. J'ai vraiment commencé à réfléchir sur le personnage. Je me suis dit, mais waouh, ça me fait vraiment penser à un gascon et cet archétype du personnage gascon, et j'ai trouvé ça hyper bien. Alors, un deuxième point qui m'a plu aussi avec Cyrano de Bergerac, c'est la beauté du verbe. Je vous l'ai dit déjà avec Molière, et je pense que mes études ont exacerbé ça. J'adore faire attention au verbe, comment les gens s'expriment. Et là, Cyrano, c'est un poète. Je pense qu'on ne peut pas le mieux le définir qu'un poète gascon. Et c'était vraiment beau. Alors, je dois quand même donner un petit warning sur le fait que je trouvais que le premier acte était très lent. Enfin, j'avais du mal à m'y mettre. C'était surtout pour moi très contemplatif. On avait la description de la scène et de ce qui se passait. Alors, c'était pas dans les didascalies réellement, mais quand même. En réalité, le premier acte, pour ceux qui ne l'ont pas lu, c'est une pièce de théâtre dans la pièce de théâtre. C'est une sorte de mise en abîme d'une pièce de théâtre. Et c'est Cyrano, justement, qui va à la pièce de théâtre et il va y avoir un jeu. Et donc, c'était assez lourd parce qu'il fallait tout décrire. Les didascalies étaient riches en description des lieux. J'ai pas totalement accroché à ce point de vue-là. Et même dans les discussions, c'était beaucoup de petites discussions éparses, par-ci, par-là, où en fait on avait des bribes, on s'entreconnectait. J'ai pas trouvé que c'était le meilleur acte, même si on retrouve déjà la beauté du verbe de Cyrano, et c'est là justement que se trouve le monologue du nez, à la fin du premier acte, même si c'est très très beau. En fait, j'ai eu du mal à arriver jusque-là. Mais du moins, une fois qu'on a passé cette étape un peu plus lente du début où ça s'installe, on finit par être happé et on continue. Enfin, moi, j'avais envie que d'une chose, c'était de savoir ce qui allait se passer par la suite réellement, et me dire, mais waouh, qu'est-ce qui va arriver à Cyrano? Est-ce qu'il va y arriver? Est-ce qu'il va pas y arriver? Et puis le personnage de Christian, comment ça va se passer? Entre les deux, enfin, j'étais vraiment pris dans ce micmac. Et si on veut retrouver ce côté haletant que le premier acte du Misanthrope de Molière a, ben on peut le comparer, je trouve, ici au quatrième acte. Le quatrième acte est beaucoup plus haletant, beaucoup plus mouvementé, rythmé. Et ça, c'est notamment dû au fait qu'on se situe sur un champ de bataille et que, bon, on peut pas non plus être tout à fait lent et qu'il se passe beaucoup de choses en réalité à ce moment-là. Donc, oui. On y est. Et de manière paradoxale d'ailleurs, ben j'ai trouvé que cet acte 4, même s'il était haletant, moi j'avais besoin de justement prendre une pause. Me dire, ok, il se passe beaucoup de choses. Parce que là, Edmond Rostand, pour moi, est arrivé au pic au niveau de la pièce, et il se passe énormément de choses, et il faut essayer de décoder, de prendre son temps et de bien lire. Mais c'était très beau quand même. Pour continuer toujours sur la pièce, je voulais parler de ce dernier acte. Ce dernier acte que j'ai trouvé inédit pour une comédie, parce que le Cyrano de Bergerac est bien considéré comme une comédie. Et c'est pas une fin légère, joyeuse, où on a un petit rictus de rire actuellement, où on pourrait rire pleinement.
Non, c'est une fin très triste en réalité. Moi, comment je l'ai noté, c'était vraiment une fin baignée en fait d'un amour impossible finalement. Et c'est pas joyeux, c'est tout sauf joyeux. Enfin, réellement, Cyrano meurt à la fin. Petit spoiler pour ceux qui ne l'ont pas lu, mais il meurt à la fin et donc c'est pas le plus joyeux. Et c'est pour moi cette fin, en fait, pas du tout joyeuse et qui renverrait plus à une forme de tragédie, qui fait qu'on pourrait considérer d'une certaine façon que Cyrano de Bergerac est une tragicomédie plus qu'une comédie. C'est pour une fois, je suis pas totalement d'accord avec cette volonté de le catégoriser comme une comédie, même si, on se doute bien, ça doit être la volonté d'Edmond Rostand de le catégoriser comme une comédie. C'est plus une comédie qui tire vers la tragicomédie. Et enfin, c'est dans ce dernier acte que le quiproquo entre Christian et Cyrano tombe finalement. Là, on se rend compte que qui a écrit quoi, qui a dit quoi, qui est vraiment amoureux, qui est le poète amoureux derrière, c'est Cyrano. Et en fait, ce quiproquo entre les deux, pour moi, formait une sorte de reste de Molière. Bon, mon opinion sur le sujet a totalement été influencée par le fait que je venais de finir trois pièces de Molière, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Ça, j'aimerais bien savoir votre avis dans les commentaires pour ceux qui ont déjà lu les deux ou qui s'apprêtent à lire Cyrano, même si je vous ai un petit peu spoilé. Ben, dites-moi après votre lecture ou dites-moi maintenant ce que vous pensez de cela, une sorte de reste de Molière. Parce que oui, on se dit, enfin voilà, il y a un homme qui aime et finalement c'est pas lui, c'est un autre. Et voilà, c'était peut-être un jeu moliéresque. Pas totalement Molière-Molière, mais vraiment quelque chose de moliéresque. Ce quiproquo assez romantique. Alors, c'est peut-être aussi tout simplement le triangle amoureux. Le schéma du triangle amoureux basique, mais je trouvais qu'il y avait quelque chose de Molière quand même dans la manière de faire. Mais bon, libre à vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, pour finir ici, ben oui, outre la tirade du nez qu'on connaît tous ou dont on a au moins une fois entendu parler dans sa vie, toute la pièce était super. J'ai rarement autant apprécié une pièce. C'était bon. Alors on peut maintenant passer au volet des contemporains et on peut commencer avec Il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Alors ce n'est pas mon premier Grimaldi, c'est mon deuxième en réalité et j'aime bien sa manière d'écrire qui est très imagée comme elle le dit elle-même et aussi qui touche en fait quelque part. Dans sa manière quelquefois pas très académique d'écrire, il y a du langage verbal, mais elle touche quelque part et c'est ça que j'ai aimé. Alors il y a aussi un autre moyen de ce roman que j'ai particulièrement aimé, c'est cette multiplication des points de vue qui en fait est le point de vue de la mère, de l'adolescente et de la cadette. J'ai trouvé ça hyper bien parce qu'elles ont trois visions différentes sur le monde qui se complètent et qui ont chacun quelque chose de propre. C'est aussi dans cette façon d'écrire et dans cette manière de bien diviser les voix de ces personnages, de bien les singulariser, que j'ai adoré le roman. Je pense que si chacun avait sa propre voix alors qu'ils ont des caractères différents, j'aurais été un pas lassé, mais j'aurais vu le côté un peu factice de l'affaire. Et là, non. Elle a vraiment bien réussi ça et ça m'a touché en réalité, d'avoir les voix particulières de chacune. Je pense que la plus grande des filles s'appelle Chloé, elle a un blog et sa manière d'écrire, c'est vraiment bien ça. On dirait vraiment lire un blog. Alors aussi, ce roman, il m'a apporté une réflexion, en fait, sur mon adolescence. Et c'est là que j'ai été vraiment touché par le personnage de Chloé, parce que elle avait cet attachement sentimental un peu malsain que beaucoup d'entre nous avons eu quand on était adolescent. C'est-à-dire, on veut avoir une bonne relation, on veut vivre une grande histoire d'amour parce qu'on voit les grands l'avoir. Et je trouvais que Virginie Grimaldi le reproduisait bien. La manière dont Chloé attendait réellement le bon SMS d'un garçon dont j'ai oublié le nom et qui pouvait, voilà, raviver une flamme. Parce qu'en fait, quand elle part, Chloé, ils s'entendent pas tellement. Il y a eu des problèmes. Enfin, voilà, la mère a surpris le garçon. Puis après, ça a coupé un peu tout. Enfin, on se rend bien compte de l'histoire. Et depuis, ils sont plus trop parlé. Et Chloé pense que c'est fini, en réalité. Et là, elle attend le bon SMS. Elle se dit peut-être ça va redémarrer. Et c'est ça. Attachement sentimental un peu malsain que j'ai redécouvert au travers de la lecture qui m'a fait réfléchir sur moi et mon adolescence. Et justement, dans cet attachement sentimental, on peut vraiment opposer en fait Lily, la cadette, qui est beaucoup plus innocente et qui en fait voit un peu le côté un peu superflu ou le côté un peu inutile du comportement de sa grande sœur ou même de l'attachement qu'elle a au garçon ou de sa manière d'être de sa grande sœur, comparé à oui, Chloé qui est adolescente et qui subit les changements qui viennent avec l'adolescence. Et je trouvais que c'était bien cette opposition, c'était fort également et ça mettait encore plus en avant une sorte de waouh, regarde. Genre c'est peut-être qu'il faudrait faire attention
peut-être que ça ne sert à rien. Et donc voilà, toute cette réflexion qu'on pouvait avoir. Et au-delà de tous ces questionnements des personnages, j'ai trouvé aussi que le trajet était magnifique. Enfin, donc il part de la France pour aller en Scandinavie. Et là, alors que je ne suis pas le plus grand friand des détails, Virginie Grimaldi s'est aussi bien les maîtriser, je trouve. Parce qu'elle parsemait, en fait, le voyage de détails qui était donné, bah, selon les trois points de vue différents, avec aussi un autre regard, et qui était utilisé, ces détails, et j'ai adoré. Réellement, suivre ce parcours jusqu'en Scandinavie, c'était juste magnifique. À un moment donné, quand elles arrivent en Danemark, et qu'elles arrivent dans certaines petites villes, et qu'elles décrivent, j'arrivais à voir mentalement, et c'était plaisant. Juste d'un point de vue globe-trotteur, je trouvais que c'était bien. Et quelquefois, voilà, ça apaisait aussi peut-être les petites tensions qu'il y a sur le côté, d'un point de vue des personnages. Donc c'était super bien, et super beau. Et c'est peut-être que si on n'aime pas totalement le côté très romantique de l'histoire, on peut être un peu sauvé par la description des lieux. Enfin, quand j'ai fermé ce Virginie Grimaldi, j'ai quand même directement sauté sur Wikipédia pour savoir quels étaient les autres romans, pour me dire, ok, c'est bon, je vais m'en relire un prochainement. Parce que c'est vraiment cette lecture qui est forte, quelque part, d'un point de vue sentimental, et qui se fait facilement, finalement, ça nous accompagne, qui fait du bien. C'est une bonne lecture feel-good, je trouve, et je la recommande vraiment pour toute personne qui sont un peu submergées et qui veulent juste un endroit pour pouvoir un peu s'évader et se faire du bien, ben, il est grand temps de rallumer les étoiles, c'est justement la lecture qu'il vous faut. On peut finir notre tour d'horizon de mes lectures de juillet août avec Angélique de Guillaume Musso. J'ai déjà lu plusieurs Guillaume Musso, celui-ci étant le plus récent que j'ai lu. J'ai pour la première fois quelque chose d'un peu négatif à dire sur Musso. Ben, en fait, cette fois-ci, j'ai été assez vite gavé par les détails sur le Covid. Alors, c'est peut-être mon mindset du moment où en fait je me dis, ok, c'est bon, on a vécu suffisamment d'années et de temps dans le Covid que on m'en reparle, ça m'énerve. Certes, mon opinion se démonte vite finalement parce que Guillaume Musso n'avait pas tellement le choix. Son roman et son histoire se déroulent durant le Covid, donc il devait bien expliquer les règles. Imaginons dans 15 ans, quelqu'un le lit et qui n'a pas vécu, qui ne sait même pas ce qui s'est passé durant le Covid, il faut bien qu'il comprenne pourquoi est-ce que c'était assez particulier comme époque. Donc oui, c'était intéressant, donc c'était moi totalement avec ma proximité, et c'est sans doute ça qui fait que je n'ai pas tellement adoré ces détails, mais voilà, ça se justifie. Mais par contre, c'est vrai que, bon voilà, Guillaume Musso est français, je suis belge, les règles ne sont pas totalement les mêmes, ce qui faisait que par moments je comprenais pas tout à fait ce qui se passait, ou il y avait des évidences sur des règles que moi je comprenais pas, ou du moins pour moi j'avais une opinion différente sur la chose, parce que je me souvenais des règles, je me dis mais c'est pas totalement ça, et puis en fait, faut se rappeler que voilà, le décor c'est à Paris durant le Covid, moi je pas du tout Paris et j'ai jamais été à Paris durant le Covid, donc c'était tout à fait différent et c'est ça aussi la petite friction. En fait là c'est purement subjectif, il n'y a même pas un peu d'objectivité dans mon propos là parce que en fait c'est ma proximité avec le Covid, c'est mon rapport avec le Covid qui fait que j'ai un peu eu du mal. Même si j'ai été dérangé par les descriptions sur le Covid, en réalité j'ai adoré tout ce qui était description sur Paris. Bon, j'ai déjà été plusieurs fois à Paris, mais je connais pas en fait la ville très très bien. Et donc que Musso décrive de manière intelligente la ville, c'était super bien et c'était immersif. En plus, cette capacité immersive, elle était complétée par le fait qu'il jaugeait et qu'il jugeait le bon moment de mettre une description. C'est souvent quand un personnage est en voiture et qu'il traverse Paris, là on suit son parcours et il en profite pour faire une petite pause sur un bâtiment et commencer à nous faire une petite description. Il y a aussi dans les changements de lieu, etc., d'ambiance, qu'il le fait et de manière très intelligente et pondérée, j'ai envie de dire. Où il se dit pas, je pense par exemple à Hugo dans Notre-Dame qui à un moment donné fait toute une description et toute une digression sur comment était Paris au 15e siècle. Ici, il n'y avait pas. Et on avait le Paris actuel, ou alors un petit peu de l'histoire de Paris, sur un bâtiment, sur un petit quartier, mais qui était bien utilisé, et en même temps, on voyait le personnage progresser. Donc ça, c'était le côté très agréable et immersif du roman. Et bon, si vous lisez pas Angélique, vous retrouverez à coup sûr dans un autre roman de Musso cette capacité qu'il a de décrire le voyage, par exemple. Quand il décrit un trajet en voiture, il décrit ce qui se passe dans la voiture, aussi à l'extérieur. Et c'est souvent par cet extérieur qu'on a l'ambiance autour. Et il aime bien faire ça, et c'est agréable réellement, parce que un simple voyage en voiture, ça n'a pas grand-chose de très agréable à la lecture. Mais quand on y rajoute des petits détails sur les lieux autour et un peu de l'histoire ou quoi, c'est toujours intéressant.
J'étais aussi content de l'avoir lu en été parce que il coïncidait totalement avec mon mood de l'été. Je voulais vraiment un roman qui soit plus léger que mes lectures habituelles, qui arrive à me captiver et que je ne trouve pas totalement léger, sans fond, sans réflexion, sans jeu sur le verbe. Et là, avec Musso, j'avais quand même ça. Je ne saurais pas comment décrire ou comment catégoriser vraiment Musso ici, mais du moins, c'était bien. C'est de la bonne littérature pour moi. C'était un bon policier avec de très bonnes références culturelles. Parce que ça, souvent aussi, Musso est attaqué comme étant un romancier de romans de gare, bah, je n'étais pas tellement d'accord non plus dans ce fait que même si on n'a pas le plus beau jeu sur le langage, on a beaucoup de références culturelles qui instruisent. Là, ici, ça tournait surtout autour de peintres, de tableaux, et j'en ai appris finalement sur les peintres et les tableaux, aussi sur un peu ce monde que je ne connais pas. Donc finalement, ça apprend quelque chose sur la vie, et c'est peut-être quelquefois mieux qu'un roman où on va juste avoir une réflexion sur le mot, mais qui s'arrête à là en fait, qui n'apprenne rien. Et je pense que avoir ce genre de roman qui en apprenne sur le monde, ou aussi qui révèle des aspects, oui, beaucoup plus cachés, bah, c'est toujours sympathique et toujours intéressant à lire. Donc voilà, c'est ça que j'ai bien aimé, du moins dans ce roman, c'est cet aspect, bah, bon policier, aussi avec de bonnes références culturelles. Et donc, ben voilà, Angélique, c'était un très bon roman qui poursuivait la manière d'écrire de Guillaume Musso. Je pourrais comprendre que certains disent que c'est sa manière d'écrire est assez redondante, il n'y a pas de renouvellement. Mais du moins, c'est toujours bien parce que on suit, on apprécie. C'est aussi rentrer dans ses petits souliers, mais quand même de voyager ailleurs. On a sa manière d'écrire, son style habituel, mais tout du moins, on voit de nouvelles choses. Donc, je peux comprendre le côté un peu négatif de la critique, mais moi, j'en vois surtout un côté positif qui est de. En fait, le style ne nous arrête pas, en fait. Et on peut passer au-delà pour vraiment apprécier l'histoire. Bon bah voilà ma petite Jackie, on vient de faire le tour d'horizon de mes lectures de l'été. Alors comme tu vois, bah, il n'y en a pas énormément, j'étais assez raisonnable et j'ai eu d'autres activités qui m'ont occupé surtout. Mais du moins, toi, dis-moi ce que tu as lu cet été dans les commentaires. Tu dis-moi d'ailleurs quel a été ton roman ou ta lecture préférée de cet été et je commenterai et je réagirai, on va peut-être engager une discussion là-dessus. Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de liker cette vidéo si tu l'as appréciée et de surtout faire attention à bien être notifié de la prochaine vidéo. Parce qu'à mon avis, on va en avoir encore d'autres sur des lectures, peut-être mes lectures du début septembre. Donc voilà, moi j'ai été très ravi de te faire cette vidéo et de te retrouver un petit peu régulièrement. Alors d'ailleurs, si on ne se retrouve pas ici, on peut se retrouver sur Twitch. Le nom de ma chaîne Twitch, c'est Louis O'Melville. C'est d'ailleurs le même nom que mon compte Insta, donc n'hésite pas à aller faire un tour. Et sinon, on se donne rendez-vous, je l'espère, très prochainement. Ciao, ciao, ciao.